Arx Fatalis, je vais tester des choses qui me prendront du temps en antenne pour vous délivrer un contenu dynamique, pas l'ennui mortel que je vous ai présenté, hein. Vraiment désolé. Ah, c'est devenu injouable. Mais alors complètement injouable, Arc Fatalis. C'est affolant. Ça y est, ça bouge, Stardew Valley. Ah oui, alors. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Ah oui, il y avait de la flotte. Joie. Non, mais je t'en prie, c'est normal. D'ailleurs, ce serait cool. Je sais pas si demain t'as projet de diffuser et de peindre tes maquettes. Mais comme demain, je suis en journée spéciale maintenance, chaîne coulisses et surtout serveur Minecraft. Demain, j'aurai le temps à voir le pif toute la journée sur Twitch à regarder les copains. Donc si t'es de la partie demain, je me ferai une joie de venir me manifester sur ton canal. Soupir, soupir, soupir. Enfin, il n'y a pas que Minecraft, c'est vrai que dans la coulisse de ma chaîne, je vais essayer pas mal de trucs. Enfin ouais, je vous en reparlerai d'ici là. Alors bonjour Samantha, je voudrais faire un cadeau à mon mari, il adore les poireaux. Pourrais-tu m'en apporter un, mamie Evelyne? Oui, j'ai des poireaux pour mamie Evelyne, ça se trouve dans les coffres. Ah, ce merveilleux poireau. Eh ben, on va l'offrir à mamie à l'occasion. Cachez-moi ce poireau que je ne saurais voir. Pourrait-on dire? Alors, oula. Alors, j'ai des panais, j'ai ça. Ah oui, je peux récolter les choux-fleurs. Moi, je suis agriculteur à la pointe du rat et j'ai planté des choux-fleurs à tour de bras. Parodie du festival Robles, vous aurez reconnu. Oh, j'ai mis un poireau en or. Magnifique. Enfin, je me réécoute les parodies du festival Robles, elles étaient trop bien. J'ai effrayé deux corbeaux, c'est bien. Bien travaillé, monsieur l'épouvantail. Demain matin, ouais! Ah bah, tu vois, demain matin, je te ferai la causette, Arsenos. Je viendrai me manifester sur ton chat avec grand plaisir. C'est cool. Ouais, plaisir partagé. M'en réjouis d'avance. D'ailleurs, en chantonnant musique. Oh, des cherries. Merci, Dragon de Lorraine, là, pour les musiques Danse du Sabre. Que je m'écouterai ce soir avec un énorme plaisir. Ça va être cool en musique. Ouais, à part la flotte machin. Oh! Il va falloir faire des récoltes de fruits sauvages. Le buisson qui s'est révélé à moi. Waouh! Il faut falloir que je fasse tout le tour de la région. La récolte de fruits gratos, c'est offert par Mère Nature. Ah! Faut pas que j'oublie Emeline, mamie Emeline, pour lui donner le poireau pour monsieur. Ah, même là où il y a les bestioles, doit y avoir.
Dites-moi qu'il y a des fruits dans le bois interdit. Je sais pas comment s'appelle l'endroit d'ailleurs, j'ai pas vérifié sur la carte. Ouais. Non, je... comment ça mon terre-plein? Non. Mais qui est con. Il faut que je vide mes poches avant de partir à l'aventure. Ah, je joue mal. Ranger les coffres d'abord. Alors là, fausse stratégique parce que je perds du temps à tout remonter, à refaire tout le chemin inverse. Ça, c'est la frustration de Arx Fatalis, ça. Ça, c'est scandaleux. C'est une honte. Remboursé. Je suis devenu frustration. Allez, je vais être super sympa. Je vais garder le poireau en or pour mamie. Oui, bah je vais garder la cerise là. Non, qu'ai-je fait? Mais non, mais le riz, je m'en moque. Je m'en moque. Goudron de pain, il faudra que je le range. Les champignons, il faut que je les range aussi. Bon, avec ce temps-là, elle est chez elle, hein, mamie Evelyne. Je vais pas avoir de mal à la trouver. You, mamie Evelyne, je vais me foncer chez toi. Ah! Il y a même des... Ah, mon Dieu. Attendez, faisons le tour du bus. Oh, chez offert par Mère Nature. On dit oui, c'est gratuit. Même Linus, il doit être en train d'en profiter là pour faire la cueillette dans la région. Le printemps est Genelus. Bon, le coup du point d'exclamation, là, il m'en fout. Mais non, j'abandonne pas la quête. Je vais aller donner à... Qu'il arrête, là, avec le point d'exclamation en folie. Alors, la semaine. Vérifions les anniversaires. Ah, il y a la torchée pimpette Pam le jeudi. Et le ténébreux beau gosse le samedi. Bon, bah... Je vais au moins faire l'anniversaire de Pam. L'autre, je sais pas, là... What? C'est quoi cette scénette? Oh, c'est Martin! Tu te demandes d'où vient cette bonne odeur? C'est très gentil de ta part de dire ça. Je suis en train de cuire mes fameux cookies. Tiens, goûte-en! Eh bien, qu'en penses-tu? Oh. Oh, la réplique, c'est comme mâcher un palais de hockey, c'est dégueulasse. Oui, c'est délicieux. Je te remercie. Je te connais assez bien maintenant pour te donner ma recette. Mais ça doit rester inscrit entre nous. Compétence culinaire cookie apprise. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est beau. Salut, beau gosse. Alors, là, celui qui parle mal, là, le coup du rugby... Tu savais que j'étais le quarterback superstar de Green Ball de lycée? C'est la vérité. Bah bravo à toi. Tu vois cette petite étoile sur ma veste? Ça prouve que c'est vrai. Alors comment que ça va? Oh mon dieu, quelle belle journée. Oui, d'avoir de la visite, oui, sous la pluie, oui. C'est bien, le positif. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Georges? Qu'est-ce qu'il fait froid, n'est-ce pas? Quelle mauvaise journée. Ah oui, lui, il pense l'inverse. Bon, j'ai ton super poireau de qualité ultra premium, mamie. 100% bio. Ah, merci, ce poireau a l'air délicieux. Georges sera tellement heureux. Il aime tellement quand je lui prépare des œufs avec des poireaux au petit-déj. Des œufs de poireau. Tiens, une fleur. Merci. Ah bah, voilà. Là, il réagit bien, le... Hein, vilain gosse. Bon, je vais repartir à la cueillette. Bon, déjà, j'ai pas perdu ma journée si j'ai la recette de cookies de mamie. C'est tout bénef. Les produits bio, 25 légumes top qualité. Non, Rasmodius, il veut du slime. Non, je vais pas aller dans les enfers. Je pense pas qu'il y ait des fruits sur la plage. On va peut-être t'éviter. Je vais retourner dans la forêt, moi. Faites-moi retourner dans la forêt.
Hop, journal des trempés, là y a rien. Et ben voilà, il y a même des fruits là. Qui l'aurait cru, les bêtes sont bons. Alors je vais aller dans le sens là, et puis ouais, remonter en soirée jusqu'à la forêt de la mort là. Et encore arme en main si je vais assez vite. Ah merde, des champs avec les points. Oui, j'ai gagné. Oui, vu une fin de suppression de Marie, j'ai gagné 500 points. Fruits frais, c'est quoi? Ah oui, elle veut un abricot frais. Ouais, bah j'ai pas d'abricotier, elle vient se faire voir. Ouais, le panier de Linux. De Linus, alors là, je sais pas où il est. Tout au fond, je prends 18 balles, le short du maire. Et élevage d'animaux. Oh là là. Il y a trop de choses en une seule fois. Arrêtez. Merde, il n'y a plus de buisson. On veut des buissons, on veut des buissons, on veut des buissons. Ah, des buissons aux fruits. Hop là. Non mais c'est gratos pour faire des confitures, on en veut. Oh oui, oh. Tous les buissons sont chargés en fruits, le bonheur. Samantha va aller se doucher dedans. Ah. Oh. Vous la voyez dingue qui se jette dans un buisson plein de ronces. par pur masochisme. La 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 la. Ah, on veut les buissons fruités. Oh, le pire, ça me rappelle, d'ailleurs, c'est bien que je vis cette séquence-là virtuellement parlant. Ça me rappelle que j'ai ouvert une verrine de confiture de mur chez moi. Et une fois que c'est ouvert, faut consommer assez vite. Donc peut-être qu'exceptionnellement ce soir, je vais me faire un dîner sucré. Et je vais me faire quelques tartines de confiture à la mûre. La 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 la. Allez Samantha, cours sous la pluie. Et récolter tous ces petits fruits. On pourrait le faire en chanson. C'est quoi le chapeau de l'escroquerie aujourd'hui? Ouais, bon, bof. Leur barrette hawaïenne en 2 pixels, faut la voir. Elle a la forme d'un petit palmier. L'imagination fera le reste. 2 pixels, 1000 pièces d'or. Ça coûte cher. Le nœud ruban de la chance. Allez, on va acheter ça. Je vais mettre ça. Samantha, change de fringue, s'il te plaît. Oh, c'est quoi, portefeuille, la loupe. Oh, ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de choses dans le portefeuille. J'en dis des choses. J'en dis beaucoup. Pardon, mais elle a l'air un peu cruche. Et puis en vert, ça fait ton sur ton. C'est rigolo. Je claque 1000 balles dans des âneries. Ce jeu de la dissidence et de la... Hein, et du consumérisme qui dit pas son nom. Du consumérisme bio. Ah, allez. Déblayez-moi ces mauvaises herbes. Bouh. Entretien des sols. Là, il y a encore du réfort sauvage. Ça va, il est 16h, c'est gérable, il est 16h. Je vais peut-être même me faire le luxe d'aller en haut sur les montagnes du côté de la gare, du bain public, vous voyez, près de la mine. J'aurai peut-être le temps de faire le tour jusque là et de récolter toutes les baies. Il le faut. Il le faut, il le faut, il le faut. C'est même dommage d'ailleurs que j'ai pas pensé à prendre un truc arcanique pour le comme je suis à côté de chez le magicien là. Il aurait adoré que je lui offre ça. Ouais, ça sent bon. Je me rattrape sur mon retard de journée. Merde, attends, il faut que je porte l'épée en main. Alors il s'est souvenu que j'avais pas tâté l'ennemi. Ah oui, il y a le bois aussi que je peux couper. C'est du bois dur normalement quand je fais ça, non? Je crois, hein. Enfin, il y a les deux types de bois. Ouais. C'est sympa. Oh ! Extraordinaire. Allez, zou.
Hop là, 3 baies de saumon à chaque fois. C'est tout bénef. Oh, les notes secrètes. Ah oui, non, mais faut que je les dise, les notes secrètes. Il y a de ces trucs. Il y a tellement de révélations, c'est la folie. Il y a du réfort sauvage, il y a des morilles. C'est... Mais ramasse la morille, Nunuche. Ah, inventaire plein. On va lire la note secrète. Alors, pour aller, Émilie. Ah, les deux sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous vous avons envoyé vos cadeaux préférés. Un gâteau rose et des tournesols pour Alley, ainsi que des pierres précieuses et de la laine pour Émilie. On connaît ce qu'elles adorent, les filles. Gâteau rose et tournesol pour la blonde. Elle aime les tournesols. Alors ça... Alors là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Des pierres précieuses et de la laine pour Émilie. Bisous, maman et papa. Ah, trop bien. Je vais pouvoir me mettre les deux filles dans la poche. C'est dégueulasse. Opération séduction totalement calculée. Stardew Valley. Et Maître Caléloni, là, Maître du goût. Non, Cannoli. je l'appelle Caléloni. Aïe, aïe, aïe. Tant que c'est pas Maître Panzani, Barelli, ou je sais pas quoi en I d'Italie, ça me va. Ah! Non, attendez. J'étais pas prêt. Attends, qu'est-ce qu'il a voulu me donner, l'autre, le slime de mes deux? Ouais, je sais pas. C'était troublant. Vite, il va être 20h. Je suis sûr que je peux faire le haut du village avec encore des baies sauvages. 167, mais c'est trop bien. C'est quoi ça? Ah, c'est de la métisse peut-être. Oui, bah là, le journal des trempés, il va finir à la poubelle. Parce qu'une améthyste vaut beaucoup plus cher. Puis c'est pas comme si c'était les cadeaux favoris de la petite Émilie, là. Pardon. Bon, j'ai plus besoin d'avoir la hache en main. Enfin, la hache en main, l'épée en main, puisqu'il n'y a plus d'ennemis là où je vais. Le haut du village, le haut du village. Est-ce que je vais avoir le temps d'y aller sans me faire violenter alors qu'on entend des choses très bizarres? Je dois même avoir des buissons actifs de chargés en fruits dans sur mon terrain que je sais même pas. Merde, il y avait un ennemi. Attends, c'était quoi que j'ai vu? J'ai vu un machin trop bizarre. J'ai vu quelque chose, j'ai pas compris. Attendez voir. Ah, mais j'ai plus rien voir. Y a rien au niveau de la gare, vous êtes sûr? Y a pas de buisson chargé en fruits? Ah, si. Si. Bah tiens, je ratisse même l'herbe à l'épée, c'est dire. Très bien. Ouais, il y avait ça. Il y en a peut-être près de la grotte. De toute façon, je peux aller par là-bas, puisque je vais être ramené par wagonnet. Comme maintenant, j'ai le bonus du wagonnet, je sais pas. Il y en a partout. Oh, la chasse aux fruits. Ah, la chasse aux fruits qui dit pas son nom. La chasse aux délices, là, y'a rien? Non, merde, y'a rien. Vite, il va être 23h. Les petits fruits, oui, les petits fruits. Je les collectionne jusqu'au bout de la nuit. Les petits fruits, oui. C'est pour ça qu'il pleut, c'est parce que je chante comme une gamelle. Ah! Donnez-moi des baies de saumon. Je sais plus, il y avait des buissons par ici. Ah merde, il y a mes confitures. Ah, merdoum. J'aurai jamais le temps de gérer les confitures. Il va être minuit passé. Je vais être défoncé. Attendez.
Waouh, ça va être très sport là. Ça va être très très sport. Une voiture. Shabaya, 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 shabaya. Je suis fou. Le jeu va me tuer pour avoir dépassé les délais de sommeil. Carrière, pan, allez, on fait les hop, tac, 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 tac. Le coffre, il est là pour les murs. Oui, je sais, il se fait tard, il se fait tard, il se fait tard. Le jeu va me punir. Baie de saumon, si je l'ai laissé là d'ailleurs, ce serait peut-être pas con. Bah, peut-être pas con que je laisse là les fruits. Parce que c'est là que ça va mariner, donc... Arrêt de bus, allez, vite. Faut que je fonce chez moi. Allez, vite, Samantha, fonce au plumard. Ah, la télé, est-ce qu'on a raté une émission ou pas? Vivre à la ferme. Regardez, vivre à la ferme. C'est la saison des ronces. C'est marrant, on en parlait. Je venais dessus et ils en parlent. Partout dans la campagne, les buissons regorgent de petits fruits juteux et ils sont gratuits. Les récolter est exempt et gagne de l'argent supplémentaire. Tu m'étonnes que ça fait de l'argent supplémentaire. Eh ben dis donc. Alors merde, là il fait soleil, il va falloir arroser. Le temps de demain c'est quoi? Merde, il fera beau aussi. Rechiotte. Ça parle mal. Je suis déchaîné. La faute à Arc Fatalis. Ah oui, alors attends, ça c'est des trucs du printemps, faut que je les range. Ça, je suis pas sûr que ce soit du printemps ça. Ça c'est printemps. Oui, ça c'est l'été. Attends, je rangerai un peu plus tard, mais... Ah, pas de courrier. Je vais économiser du temps à pas lire de courrier. Ça parle mal. Il faudra que je remette la main sur mon arrosoir. Truc de monstre, le truc de la flotte, les algues sont là. Je vais pouvoir balancer les confitures à défaut de les donner aux habitants, mais là j'aurai pas le temps. L'arrosoir il est là normalement. Voilà, exactement. Il faudra que je mate aussi. Oh mon dieu! Ah, c'est les graines de printemps qu'il faut mettre là. Je crois que j'ai appris à faire une salade de pissenlit, non? Ou c'est mon imagination qui me joue des tours? Attends, la mamie, elle m'a appris, Evelyne, à faire des cookies, ce qui est juste énorme. Mais... Oula... coffre du printemps, coffre du printemps. Alors, les poireaux, faut les offrir à Georges. Au papy, ça fait son bonheur. Ou Evelyne qui s'en chargera. Attendez, attendez, attendez. Panique, panique. Mais j'ai plus rien à planter, moi. Ah si, j'ai les fraises. Les fraises, 8 jours. Il me reste un peu d'ail. Et j'ai plus de graines lambda au pifomètre. Si, j'en ai 13. Je peux jouer avec ça déjà. Alors attendez, on va planter des fraises. Ouais, je plante les fraises là où il y a les arroseurs automatiques parce que si je pouvais ne plus les gérer derrière, ça m'arrangerait bien. Voilà un peu d'ail. Hop là. Et en bonus, après, il y a les graines lambda, là, il y a ça. Dire que je me sens pas obligé de les arroser non plus.
Oui, il n'y avait pas de... J'avais pas mis de système de rasage automatique. Je sais pas. Ça m'intrigue, mon histoire. Oui, le chien, il faut que je donne la flotte dans ta gamelle, je sais. Bouge pas, j'arrive le chien. Là aussi, il y a ça qui était vide. Ça, tu sais pas pourquoi le truc a disparu, mais ça a disparu. Alors attends, tac 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 tac, voilà. Qu'est-ce que je fais? On est le 16. Je vais peut-être aller acheter des graines chez Pierre. Et je vais faire une opération séduction. Attends, faut que je regarde s'il n'y a pas un renouvellement des fruits du jour au lendemain. Si c'est le cas, c'est juste énorme. Je vais peut-être pas faire les champignons tout de suite, je sais pas, j'hésite. Et là, les bières, c'est pas fini, les mousses? Ça a dû fermenter à dos. Oh là là, regarde-moi ça. Non mais, il y en a partout, il y a trop à faire, au secours. Ah, si j'avais plus de minerais, je pourrais me faire des arroseurs automatiques. J'aurais pu me poser la question, est-ce que j'arrose ou pas? C'est vraiment l'idéal hein, dans Stardew Valley. C'est arroseur automatique partout, partout, partout. Qu'il n'y ait même plus de questions à se poser, qu'il n'y ait plus qu'à récolter. Aller chez Pierre acheter des graines, éventuellement replanter. Est-ce que je replanterai beaucoup? Oui, non. Ah, potentiellement... Ou alors, des trucs qui... Moins d'une semaine. Un truc qui met moins de 7 jours à pousser. Moi, j'ai même gardé mes légumes sur moi, donc je pourrais en donner à certains villageois qui pourraient apprécier le cadeau. Je continue l'opération séduction. Vite, ah, y a Marnie. Salut Marnie. Bouger de là. Elle, je lui donne un haricot. Elle est heureuse ou elle fait la gueule? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Si c'est pas un produit préparé, prêt à manger, elle fait la gueule. Elle est pas fichue de cuisiner elle-même. C'est fou quand même. Elle est terrible. Elle est terrible. Alors, panier 4 jours. Ouais, mais ça rapporte pas beaucoup. Chou-fleur 12, c'est trop long. Pomme de terre, c'est un bon compromis la pomme de terre. Le chou frisé est pas mal non plus. Ouais, allez, je vais faire dans le chou frisé. C'est... Il fait plus la fraise? Putain, la fraise, il la propose plus. Oh, l'autre. C'est quoi qu'elle voulait? Elle voulait un pêché... Je suis... C'est quoi qu'elle voulait La Emily? C'était ça, la quête? C'était un pêché, non? Fruits frais. Ah non, un abricot. Un abricotier. Un abricotier. Abricot... Au printemps, oui, bah c'est trop tard. Ce sera pour l'année prochaine, laisse tomber. Tiens. Merci. Voilà, Marnie, elle apprécie. Tiens, je vais même en donner un à Pierre, son père. C'est très gentil de ta part, ça me plaît. Et ben voilà. L'autre nunuche, là, qui veut des trucs prêts à bouffer. Au moins, je cerne les personnalités dans le village. Ah, monsieur le maire, nous aussi il aime le haricot. Merci, c'est génial. Voilà, l'ancienne génération, ils se plaignent pas. Lui, il va faire la gueule si je lui donne un haricot. C'est trop cool, merci. Ah non, tiens, il m'épate, Alex. Elle dit quoi? C'est parfait, merci. Ils aiment ça. Bon. Merveilleux. Je vais aller voir les anciens dans leur maison, là. Je vais... Hop. Ah, ils sont à table, excuse-moi de vous déranger. Mon Dieu, c'est magnifique, c'est très gentil de ta part. Non. Voilà, merci. Ils aiment les produits sains. Allez, Vlan. Bon, il y a... Oui! Il y a à nouveau les fruits. Ah! Je repars récolter des fruits. Alors attends, il y en a autant que le jour précédent ou pas?
Ou c'est des restes que j'ai pas récoltés du jour précédent? Comment ça marche? Attendez, je vais faire un tour là où il y en a beaucoup. Attends, je vais garder... Non, c'est reparti pour un tour, je crois. Ah, merdoum. Je vais aller donner un truc arcanique au... Comme je vais passer près de chez lui. Je vais déposer mes trucs très rapidement. Et je vais donner de l'essence du vide au... Ah bah tiens, j'ai ça à récolter. Et le magicien, là, le sorcier, il va être heureux comme tout. Putain, j'en reviens pas, la bière, elle est toujours pas prête. Je suis choqué. Je suis choqué. Ouais, je vais laisser ça là. Oui, non, là, que j'exécute ce que je dis, moi. Il faut que je donne un cadeau essence du vide au sorcier. Voilà, il va être tout fou. Oui, je peux préparer du minerai, ce serait pas mal en mon absence, tant qu'à faire. Voilà. Très bon réflexe. Je fonce aller voir le sorcier. Ah, je finis par avoir trop d'arbres qui poussent dans la propriété. Là, il va falloir jouer de l'âge bientôt. Peut-être l'été, peut-être l'automne. Oui! Oh, les fruits gratis! Oh, les gelées de la mort qui tue! Je vais me faire du fric! Ah! Deuxième service, deuxième journée de cueillette. Allez, clame! C'est vrai que la musique est enchanteur. Attends, c'est sur le retour que je vais couper les souches. Je vais d'abord patater les ennemis histoire d'être peinard. Voilà, je suis tellement puissant que d'un coup je tranche en deux les slimes, les gélatineux. Y a moins de fruits. Je sais pas quelle est la dynamique du jeu. Mais... Alors c'est vrai que c'est complètement craqué, mais ça se régénère pas tant que ça. Ou alors c'est les buissons qui donnaient pas le jour précédent qui se mettent à donner et vice versa. C'est l'effet que ça me fait. Ce qui serait sacrément intelligent d'ailleurs. Car parfaitement logique. Ce serait vraiment rationnel comme... Merde, j'arrive plus à sortir du bois. Attends, c'était là le chemin? Allez, on met du bois. Allez, Samantha. Épreuve de force. Zou, fais des petits rondins à partir des bûches. Magnifique. Magnifique. D'ailleurs, la graine, je vais la planter au bord de l'eau. Allez, ça fera encore un arbre. Ça fera encore un arbre. Didalidalidala. Vite, allons chez le sorcier. Ding dong. Bonjour, sorcier. Je te fais suffisamment confiance pour te laisser entrer dans mon sous-sol. Traite tout ce que tu y trouveras avec respect. Tiens. Mais il en est fou! La naissance du vide, il en est vraiment fou! Ah là 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 là! Il ne résiste pas au cadeau! Je vais me mettre le sorcier dans la poche! Ah! Oh, le bonheur! J'aurai le droit à des artefacts et des potions très puissantes! J'y crois! Alors, merde, il n'y a plus rien en buisson fruité là! Ah, il y en a un là. Là, il n'y a plus. 18h30, putain la vache. Le temps passe trop vite.
Les petits fruits. Ah, oh, j'avais oublié cette zone de récolte possible à la sauvage, là. Oh là là, c'est bizarre, on dirait que quelqu'un les a cultivés. Ne me dis pas que le nain sort la nuit pour cultiver ça, par exemple. Parce que je sais qu'il se passe des trucs bizarres la nuit à Stardew Valley. Il se passe des trucs très très bizarres. J'ai plus grand chose. Merde, faut que je sorte l'épée parce que là il risque d'avoir des ennemis. Ah, je me bloque tout seul sur mon terrain qui est pas entretenu. Alors les bières, c'est interminable. Est-ce que j'ai fait des champignons? Je sais plus. Oui, je les ai fait, tant mieux. Au moins c'est plus à faire. Les arbres fruitiers, je verrai plus tard. Hein. Je peux faire tous les 3 jours, ça peut attendre. Ça peut attendre. Ça... Ah là il y en a. Ah oui, alors là oui. Alors on remarque que dans le chemin, les buissons qui n'avaient pas donné effectivement le jour précédent, là ils donnent à donf. Donc ma théorie se tient. Alternativement, il y a des. Il y a des buissons qui donnent et d'autres pas en fonction des jours. C'est génial. Je crois qu'il n'y a pas de buissons au-dessus de la voie ferrée. Non, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au niveau de la gare. Du côté de la mine. Ouais. Attends, là, je suis sur le territoire de Linux. De Linus, pardon. Ah bah, ma langue a fonché... Lapsus révélateur. Voilà, les deux buissons là, ils donnent plus puisqu'ils ont donné hier. Donc ils sont épuisés, on va dire. C'est quoi que je vois sur l'eau? Ah oui, c'est un nénuphar. Mon avis, là, j'aurais plus rien. Non. Non. Et ben, il doit pas m'en manquer beaucoup, hein, des buissons de... Ouais, ça fermente toujours. Je vais aller à l'arrêt de bus. L'arrêt de bus, est-ce qu'il y a des... Je vois... Enfin, on finit par plus y voir grand-chose, vu l'heure. Ah si, je fais encore une récolte, ici. Ah, j'ai symboliquement obtenu un score érotique. J'en ai 69. Je n'invente rien. Hop là. Alors, le bois dur. Oui, que je peux ranger là aussi, effectivement. Non, c'est le lingot que je voulais. Le lingot. Un oignon de luxe. Oui, poireau, ça n'a rien à faire là. Piment. Ouais, non, ça, c'est des trucs de l'été, ça. Mais oui, c'est des trucs de l'été. Attends, baie populaire, machin. Ouais, mais ça n'a rien à faire là, en fait. Qu'est-ce que j'ai fichu? Le piment, c'est l'été aussi, non? Voilà, je pense que là, c'est beaucoup mieux au niveau du rangement. Ah, j'ai plus de place dans le coffre printemps. Oh merde! Incroyable mais vrai, le printemps sature.
Waouh. Ou alors je mets des baies de saumon dans le frigo. Pourquoi pas. Le panais, je vais le mettre dans le frigo aussi. Après, je sais plus ce que je peux faire. Ça me semblerait logique de faire une salade de pissenlit, mais... Ah, il y avait une chauve-souris qui se pointait. Attendez voir. Si je fais ça, je déverrouille des plats ou pas? Non, j'ai la baguette et la... Non. On verra plus tard, c'est pas grave. Bon, là, j'ai le gain des verrines de confiture. Donc, le jeudi, c'est l'anniversaire de Pam, la polchtronne qui vit dans la caravane. Ah, bulletin météo pour le lendemain. Non, il n'y a pas de pluie. Reine des sauces. Tortillas. Je connais déjà. Ouais. Je m'en souviens. Les tortillas. Y connaît. Que dire, que faire? Oula. N'oublie pas que c'est encore une journée de cueillette de la sauvage des... Attends, on va voir. Bon, allez. On est mercredi. Du coup, je me rappelle que mercredi, Pierre et son magasin s'est fermé. Il se prend le mercredi comme jour de congé. Il a bien raison. Là, il y a des trucs. Là, il y a du... Oh là là, il y a beaucoup de trucs là. À mon avis, le champ il va être complètement récolté. Ah non. Encore quelques pouces en bas. Ah oui, énorme. Alors, minute papillon. Déjà, on va ranger tout ça. Parce que c'est pas rien. Ah oui, j'avais dit que le panais, je le mettais dans le frigo. Le panais de base, hein, de basse qualité, je le mets direct dans le frigo. J'ai souvenir qu'il y avait une recette à base de panais. Je sais plus laquelle, mais je me souviens avoir lu panais. Donc autant le mettre dans le freezer. Ça me sera systématiquement proposé dans les combinaisons de... Déjà arrosé, il y a pas mal à faire. Ouais, gamelle du chien, les champignons, toujours cette routine. Non mais là je perds du terrain au niveau de... Il faut que je prenne les graines là, il faut que je les sème, c'est pas possible autrement. D'ailleurs je vais même prendre essence du vide si je revois le sorcier à l'occasion. S'il y a encore de la cueillette à faire. J'arrose à donf. Je vais replanter. Moi, j'en ai même pas assez.
Voilà. Extraordinaire. Tout mon stock de graines y est déjà passé. Incroyable mais vrai. Ce printemps de fou. Alors... Champignons, on va même faire les fruits du côté du verger. Ah bah c'est bien, là j'aurais rien à ranger puisque c'est les champignons communs, c'est ceux que je bouffe quand je descends à la mine. Ou que j'ai besoin d'un regain d'énergie. Alors, les arbres fruitiers, il doit y avoir des cerises. Oh, paratonnerre! Le paratonnerre qui a fonctionné et qui m'a donné des piles. Wow! Alors ça, c'est une nouveauté. Le coup des piles. Alors... Oh oui, c'est reparti. Mais ne me dis pas que ça va être tous les jours de la semaine du printemps, là, que va y avoir les fruits. Mais j'ai pas fini de tourner en rond à chaque fois. C'est un rituel de fou. Je peux pas fermer les yeux là-dessus, puisque ça me fait de la thune à l'année à faire les gelées, les confitures. Putain, mais c'est dingue! Allez! 36e service! Et ils sont où les gélatines? La 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 la. Oh là là. Coupons du bois. Ah oui, puis il faut que j'aille dans le trou de planqué en bas, ouais. J'étais parti pour oublier. Ah merde! Attends, je vais reprendre l'épée en main parce que je pense qu'il va y avoir dans le sous-bois, il va y avoir du peuple. Il va y avoir de la populace. Non, il n'y a personne? Zéro agresseur? Incroyable! Le bois de grès de Stardew Valley. C'est tout bénef. C'est tout bénef. Allez, deuxième service. Il faut des années d'études pour comprendre la langue des élémentaires. Ah oui, alors. Voilà. J'adore. C'est con. C'est con. Attends, on est à quel niveau d'amitié? Oh, ça grimpe. 6 cœurs sur 10. Ça grimpe. Oh la vache. Gare. Il va être fou de moi, le mec, bientôt. Ah ah. Je suis sûr qu'il va me révéler des trucs de Maboule, le sorcier. Je suis trop motivé de me le mettre dans la poche, le gars. Il va permettre d'accéder à l'insondable, on va dire. Au monde de l'invisible. Encore la récolte, la cueillette, des fruits. Ah, il y a le...
croûte-mouche, poireau sauvage, là que j'ai vu. Voilà, il y en a pas. Oh là, oh! Ah! De gauche, droite, je sais plus où aller. Il y a l'embarras du choix, c'est merveilleux. C'est de l'oignon nouveau. Il se coupe l'arbre là ou pas? Non. Ah, apparemment ça cache quelque chose. Bizarre. Étrange cette souche. Re, Nayonet. Mystérieux au possible. Attends, il est 17h30. C'est moi qui deviens redoutablement efficace ou... Oh! Ah! J'ai pas fait la partie centrale. Oh là là, ça dégueule de fruits partout, c'est un bonheur. J'ai trop fait les bords de la région et pas assez le centre. Il faut que je fasse le tour du lac, visiblement. Yo, popolopo. Oui, la richesse. Oh là 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 là. Ah non, c'est bon, j'ai fait le tour. La suite du patelin. Oh! 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 Joie! Attends, il n'y en a pas en bas du côté de chez Léa. Oui! Oui, les bonnes framboises, ils appellent ça des baies de saumon. Et... Non, mais c'est surtout que c'est du pognon. C'est du pognon offert par le jeu. Tu cours comme un dératé dans toute la région à faire la cueillette partout. Et tout au long de l'année, j'en ferai des confitures dans les bocaux de fermentation, là, au niveau de la... Qu'est-ce qu'elle fait, là, elle? Oh, salut Samantha, tu fais une petite pause? Qu'est-ce qu'elle fout au cimetière? Moi aussi, Oriane Physique, juste des cours en ligne. Quoi? Tiens, la cerise, elle va aimer. Eh, comment as-tu que j'avais faim? Ça a l'air délicieux. Ah! Alors les fruits prêts à manger, elle accepte. C'en est une sacrée, elle. Bon, bref. La suite des baies sauvages. Ouais, bon jus de framboise. Mmh. C'est vrai, c'est bon, c'est bon. Là, il n'y a rien. 20h, la nuit est en train de tomber. Il y a le wagonnet, je pourrais me barrer. Non, il y a rien là. Ah, il y a une fleur là à récolter. Oh oui! Oui, oui, oui. Ouais, au niveau du. La maison commune, ouais, il doit y en avoir. Oh la vache! En fait, il n'y a que ça. Ouais, il y a la fontaine. Ouais, je suis pas allé par ici, moi, au niveau des. Oh là là, oh là là! Les herbes folles! Déveillez-moi tout ça! Inventaire plein ou c'est moi? Ah oui, inventaire plein. Merveilleux. Incroyable mais vrai. J'ai l'inventaire plein, oui. Ça déconne zéro. Oui, pourquoi pas. Mangeons de l'oignon nouveau. Allez, où? Alors, au-dessus, j'ai peut-être pas récolté des choses que j'aurais dû récolter. Là, je vois rien. Ah, si, là, il y en a. Attends, je suis en train de me perdre, là. Ah! Il y en a un dans le parc intérieur de la...
Putain, mais je vais rentrer, il va être encore minuit. Donc c'est pas plus mal, je me dirige vers la carrière et je vais pouvoir gérer les bocaux sur place. Au moins ce sera fait. Ah, bah je les laisse pour Linus. C'est dans son secteur, je vais pas être vilain, je vais pas les lui shipper. Je vais pas les lui shipper. C'était quoi ça? Ah non, c'est les racines de l'arbre. Voilà. Il fait tellement sombre que je commence à flipper. J'arrive plus à distinguer ce que je vois. Bon, là, il n'y a plus rien. Ouais, je franchis le pont, il est minuit, quoi. Oi, 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 oi. Eh oui. Oh, ça n'a pas fini de... Oh. Bon, bah, je vais ranger la tonne de fruits, la centaine de fruits, là. Oh, presque 300. Presque 300. Tout va bien. Oui, oui, oui. Alors, arrêt de bus. Oh, génial. Il va me dire qu'il y en a là aussi, non? Non, j'en vois plus. Ouais, attention au loup, ouais. Ah, du vin! Et l'inventaire est plein. Oh la merde. Je fais du rab. Je suis durable. Elle fait des heures sup, Samantha. Ouais, on va mettre les piles ici. Encore que non, je pourrais peut-être les ranger chez moi. Alors, le vin. Non, ça c'est les... Voilà. Oh. Alors le vin, il faut que j'en dépose à... au centre communautaire. Mais je vais balancer les deux bouteilles, on va voir combien ça rapporte. Bon, allez, dodo, tant pis, je ferai la gestion des coffres le lendemain. Oh! Il se passe quelque chose. Un voleur? Non. Oh, une fée! Je vais avoir une bénédiction. Oh là là! Extraordinaire. Deux bouteilles, 600 et quelques de thunes. Ouais, c'est bien, les alcools, ça rapporte. Les alcools, ça rapporte. Alors, le vendredi, il fera quoi? Ah, vendredi, demain, il y a tonnerre et flotte, c'est le bonheur. J'aurai des piles et tout sera arrosé. Alors, parlons, mon petit sucre adoré, non pas vous. Je parle de ce produit sucré fabriqué par nos amis les abeilles. Voici ce que vous devriez savoir. Si vous avez des fleurs qui fleurissent près de votre ruche, vos abeilles produiront... Ah, peuvent produire du miel parfumé. Sinon, vous n'obtiendrez que du miel sauvage. Pas mal, non? Ah, il y a deux types de miel. C'est énorme. Ça, c'est quoi? C'est du miel sauvage. C'est dégueulasse, les fleurs, elles sont là. J'aurais dû avoir du miel parfumé. Oh, je crois avoir vu mes premières fraises. Les premières fraises. Oh là là. Panic on board. Merde, j'ai dit que j'enlevais les piles, je l'ai pas fait. Je vais l'avoir dans les culilus. Oh là, rangez-moi tout ça. Oui, j'ai vu des fraises. Attends, l'arrosoir. Merci. Oula, oulala, il y a des choses à faire. Alors plus tard, là, faut plus tard. Ça a tellement été planté de manière aléatoire, des jours différents, que j'ai un mini-mélo du coup n'importe quoi ici. C'est la terre, elle donne tout ce qu'elle peut, là. Enfin, j'allais racheter des graines. Oh, je vais aller voir Pierre, je vais lui vendre tout ce que ma récolte du matin. Sauf peut-être les spécimens en or. J'ai deux fraises en or, trop bien.
Oh là là, oh là 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 là. Je vais garder les tout ce qui est, vous savez, avec étoiles. Alors que les trucs de base, je vais les vendre directement à Pierre et puis... ce sera fait. Ça, les trucs de qualité avec étoiles, je vais les garder et pour les quêtes et pour les recettes éventuellement. Un mini-mélo de n'importe quoi. Oui, c'est ça, ouais. Soupe de légumes, tout ce que tu veux. Non, mais y a qu'à voir ce que me propose le jeu. Oh, des haricots. J'ai effrayé deux corbeaux. Oui, bah tant mieux. Je suis à la limite de saturer dans mon inventaire. Qui l'aurait cru? Oui, gentil chien. Gentil chien dont je donne la flotte dans la gamelle tout de suite. Moi, c'est fait. Oh, non, j'en ai encore là. C'est sans fin. Alors Pierre, son magasin ouvre à 9h. Donc faut pas que je me précipite trop vite. Je peux déjà m'amuser à réarroser le même le terrain non planté. Ce sera ça de fait. Là aussi, les sons sont trop bien faits. Alors, je vais jalousement garder les fraises, et encore si je peux les garder. Si, ça va. Je vais revendre l'ail. Ouais. Je vais revendre l'ail, je vais revendre l'ail. Attends, les choux-fleurs de qualité, l'ail de qualité, je garde ça, tac tac. Eh, pas mal. Attends, ça va faire de la thune. Et je vais échanger des graines avec Pierre. Oui, non mais tu rigoles en disant on recommence à arroser, mais c'est un cycle. C'est un cycle de fou furieux. Ne me dis pas qu'il y a des fruits qui m'attendent là. Ah, ah non! Non! Encore un jour de cueillette! Ah, mais c'est vraiment tous les jours de la semaine! Ce jeu est ma boule! C'est la semaine de cueillette. Il n'y a pas d'autre terme. Graines à vendre. Attends, d'abord je te vends mon truc. Tiens, rien que les fruits, ça vaut combien, sauvage? Ah. Oh, 4000. Oh, oh, j'ai vendu pour 6500 thunes. Joie. Alors, attendez que je réfléchisse et que je fasse pas l'idiot. Ouais, je suis dans les choux frisés. Allez, j'achète des choux frisés. J'en achète pour 7000. Allez hop. Graine d'ail. Ah, je peux faire un peu le riz. Sur le bord de l'eau, c'est rigolo. Ouais, des graines d'ail en rame. Allez, pont à juger vendu. Je suis en panique parce que je peux faire plein de trucs. Je peux recueillir les fruits. Je
Je peux planter plein de choses. Je peux aller voir monsieur le maire, lui offrir des choses. Tiens, si je lui offre des fruits, monsieur le maire, il va être heureux, là. Arrête de faire ton potager. Eh bien, je suppose que c'est l'intention qui compte. Il a pas aimé, il ira se faire boire. Il ira se faire empapaouter. Je sais ce qu'il attend de moi. C'est mes alcools, mes spiritueux. L'autre ivrogne. Il veut que je lui offre de la bibine et de la bière. Allez, poubelle de ces jaujas là. Le doute s'immisce en moi. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de buissons par ici, mais. Alors, je suis sûr que les confitures, c'est prêt. Je vais foncer à la carrière. Ah non, j'ai pas l'impression qu'il y a un renouvellement des fruits là. Attends, c'est un buisson que j'avais pas traité ou... Ouais, il y en a un peu à droite à gauche. Tiens, je sais plus où ça mène ça. Ah bah. Ah oui non, c'est des îlots spéciaux pour pêcher, ouais. C'est vraiment en amont. On est proche de la source au niveau de la cascade. Tiens, salut, prends un fruit. Mais oui, je t'en prie. À part ça, ça va? Non mais attends, je vais lui faire la causette. Tu as besoin de quelque chose? Non, merci. Ça va, tranquille. Ah bah oui, il a pas récolté ses propres fruits, Linus. Ah, il a tort. Tiens, tant que je suis là, le nain dans la grotte, là, dans son trou. Est-ce qu'il a déjà goûté au baies de saumon? Ça va peut-être lui plaire. Tiens, mange ça. Est-ce que les humains aiment ça? Bah oui. Visiblement, lui, il aime pas. Tu n'es pas un espion. Mais non, je suis pas du peuple des ombres. Oh là, j'étais à l'œil. Oh, merde, j'ai acheté l'élixir de vie, je voulais pas. J'ai cliqué par accident. Bon, bah, c'est pas perdu. Mais ça m'a coûté 2000, merde. À conserver en cas de... Ça, voilà, bien fait pour ma tronche. J'avais pas qu'à cliquer comme un fou furieux. Ah, du réfort sauvage. Bon, c'est pas perdu, mais ça m'a coûté cher. Ouais, la bouteille à 2000. Ouais, allez hop. Mais bon. Oh, bien, un bouquin de bibliothèque. Ah oui, il y a cette grotte aussi que j'ai pas faite et que j'ai condamnée avec un squelette. Parce que la mort m'attendait au fond, c'est ce que me disait le jeu. La 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 la. Non, c'est les murs en ce moment qu'il faut faire en... Allez hop. Eh ben j'entretiens la carrière demain, puisque demain il pleut, j'aurai pas arrosé, je vais gagner un temps fou. Je vais gagner un temps fou. Baie sauvage, là il n'y a rien. Si, il y a. Oh merde. Il y a même un pissenlit à récolter. Ah, le jeu qui rend fou. Ah, la boulette à 2000, pas la bouteille. Oui, oh. Je ne sais plus quoi te répondre, Nayonet. Je ne sais plus. Yeshui Peldou. Yeshui Peldou. Non, ne mange pas le raisin. Fais-le fermenter, ça vaut plus cher. Le commerce avant tout. Ouais, je vais garder le vin de raisin sur moi. Ah, il faut continuer de planter, d'arroser. La journée est bientôt finie. J'ai pas tout planté, j'ai pas tout arrosé. C'est une catastrophe. Je vais pas pouvoir refaire une tournée dans les bois sauvages, récolter les fruits, c'est impossible. Ah, puis j'ai pas récolté à la folle et... Il y a trop de choses à faire, non? Au secours! Je ne sais plus, je suis perdu. Bon, ça c'est arrosé automatiquement, vite, mon arrosoir, remplis-le. Oui, je sais très bien, continue d'effrayer des corbeaux.
Merde. Ah, Samantha. L'arrosoir, garde-le en main, malheureuse. Mais pourquoi le jeu me fait ça? Je ne comprends plus. Je suis en train de me faire boiquer par le jeu. Le chien, si le chien il est dans sa gamelle. Replanter. Replanter, ça gogo, replanter. La 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 la. Il faut rentabiliser au niveau du terrain. Sinon c'est pas bien. Tac tac tac. Je suis proche de l'eau, je re-remplis l'arrosoir. Je continue avec l'ail. Il y a aussi le riz que je pourrais mettre sur les côtés proches. Vous allez voir que j'ai pas acheté assez de graines et je vais arriver au bout de mon stock. Oh, ça va, c'est limite 5. 5, 5, 5. Ah, c'est tout juste. Bon, ça c'est bien. Le chien, non, c'est pas le moment de jouer. Je suis désolé, j'ai pas le temps. À moi les champignons mignons. Ah. Le riz au bord de l'eau, le riz au bord de l'eau. Le riz était planté là-bas. Ah merde, vite la faux. Il y a un chou, voilà, que j'ai pas. Le riz, c'était où le riz? Le riz était là. Vite, merde, je vais faire des conneries à cause de ce... foutu de collection d'épouvantail qui a failli me faire fausse manœuvre. J'ai pas pris de l'essence du vide, de toute façon j'ai offert deux cadeaux au mec. Je sais plus, je deviens fou. Ah, il y a encore à récolter. Non, les fruits. Ah, j'en ai même vu sur mon terrain là. Oh, le miel. Ah, non, mon inventaire est plein. Non, non, non. Au secours. Bouffe le pissenlit et par la racine. Non, c'est une jonquille. C'est pas grave, tu vas t'intoxiquer. On n'est plus à ça près. Allez, vas-y. Merde. Ah, les fruits gratuits. Ah. Bon, déjà, il n'y a pas le marchand... Non, il n'y a pas... Ah si, là. Alors, je vais pas dans la vallée où il y a les ennemis, hein, parce que j'aurais pas le temps de les patater. J'aurais pas le temps de les patater. Oh non, le gâchis. Ah. Les fruits. M'en fous, jusqu'à 2h du matin, je récolte les fruits dans le village. Dans les bois. À la torche, à la main, si tu veux, je m'en moque. Ah, ça rapporte à donf. Vite. Ta-ta-la. Merde, là, il n'y a plus rien. Ah, là, il y en a. Là, il y en a. Je crois que je les ai mal récoltés, là. Il me dit 5, j'aurais dû en avoir 6. Cette course est freinée. Oui, ça renfouille, ça défoule, ouais. Il y a de ça. Oh, puis il y a encore des... J'ai plus de place, c'est extraordinaire. Alors, attends, il y a des trucs qu'on peut jeter comme la fibre. Le truc d'herbe, on s'en moque un peu. Oui, puis le champignon de la mort. Hein, pour ce que c'est. Voilà. Que tu peux. Oh, il y a encore des oignons là. Quoi? La journée dure une minute dans le jeu. Oui. Ah merde, c'est sûrement des trucs qualité or que je peux pas ramasser. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Elle mange son chou. Non, mais mange le chou. Voilà, mange le chou-fleur. Oh! Oh, le chou-fleur! La bombe en énergie! Wouah! Comment qu'elle a retrouvé de l'énergie, Samantha, en une seule fois?
Faut que je carbure au chou-fleur, moi, dans les souterrains. C'est complètement abusé. Attendez, je suis en train de me perdre là. La 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 la. En plus, on les voit bien de nuit aussi. On les voit très très bien de nuit, les buissons fruités là. Oui, ça fait tard, oui. Permission de minuit, je sais. Allez, me dis pas qu'il y en a chez Léa aussi. Ah non, je vois rien. Manque de bol. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Il est tard. Qu'est-ce qu'il fait à cet endroit à minuit passé, lui? M'étonnerait qu'il fasse de la cueillette. M'étonnerait beaucoup. Oh, l'ombre de l'oiseau. Ah merde, il y avait une chauve-souris qui m'a tabassé. La vilaine bête. Graines, machin. Ouais, bah je vais les garder sur moi. Alors, j'ai plusieurs choses à. J'ai plusieurs choses à ranger. Ouais, il y a des piles. Ouais, non, encore que les graines d'ail, je vais les garder sur moi. Le reste, il va falloir que je le vende. Bon. Je vais aller à la carrière, puisqu'il flotte à donf. J'espère qu'il flotte encore le lendemain. Merde, il fera beau. Ah, c'est vraiment une journée exceptionnelle, là. Faut que j'en profite. Faut que j'en profite. Oh là 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 là. Ça commence. Le bonheur. Hop là. Hop, un petit peu d'ail. Les arbres fruitiers, ne pas oublier les arbres fruitiers. Allez, hop là, double cerise. C'est merveilleux. Non, là, il donne plus rien. Non, ce serait un jour de non-cueillette. Est-ce possible? Ah oui! Ou alors Linus a fait la cueillette de ses fruits sur son buisson. Oh la vache. Ça, c'était la foudre. Ou alors... c'est fini. J'ai passé la période de cueillette. Ah bah c'est bien, on va pouvoir passer à autre chose. Ouais, il n'y aurait plus rien. Là, je vais pouvoir casser du caillou et entretenir. Attends, le truc qui me dérange, oui, bah oui, c'est que j'ai plein de trucs sur moi, là, ça va pas. J'ai les poches pleines. Oh là 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 là. La folie. La folie la plus absolue. J'en ai des choses. Attends, vas-y voir que je me barre en ville. Mmh.
Ah, salut, Penny. Les boules de pluie sont très bruyantes sur le toit en métal de notre caravane. Tu m'étonnes. Tiens, prends des cerises. Merci, je vois pas ça tous les jours. Tu m'étonnes. Ce sont des fruits de qualité. Alors, ils sont où les... Ah, tiens, je l'ai. Je vais aller voir papy et mamie, là. Tiens, allez, cadeau, cerise. Oh mon Dieu, c'est magnifique, c'est très gentil de ta part. Elle a rien à dire. Quand je me suis réveillé, j'ai entendu des gouttes tomber. Je pense qu'il y a une fuite dans le toit. Ah, avant, Georges serait monté sur le toit pour réparer tout ça, soupir. Oui, mais attends, le fiston, il peut pas s'en charger. C'est pas un temps à aller faire du sport. Je peux toujours faire de la muscu à l'intérieur. Attendez, vous, on peut pas réparer votre toit, les gars? Qu'est-ce qui fait froid, n'est-ce pas? Quelle mauvaise journée. Ouais, ouais, bon. Haricot, il va aimer. Merci, voilà, il est content. Tiens, mange ton haricot, toi. Ah non, j'ai déjà donné des cadeaux. Je pourrais peut-être le réparer, le toit. Ça fait peut-être l'objet d'une quête, non? Merde, je me trompe de touche. Les murs tout au fond, machin. Non, là j'ai aucune quête valable. On est vendredi. Ouais, je vais lui vendre 3 bricoles. Je vais lui vendre ça, ça. Oh la vache. Ah ouais. Ouais, c'est dommage que j'ai pas croisé monsieur le maire, parce que j'aurais pu... Oh, pichette, pour ce que c'est. Allez, je m'en prie. Au moins, c'est fait. Quoi? Le damier de... Oh, le papier peint noir. Oh la vache, faut aimer. C'est particulier. Non, chou-fleur, c'est fini. Ouais, il y a le panais par défaut. Mais... Pomme de terre encore. Ouais, mais 6 jours, ça va vite. Ouais. Je reprends une centaine de graines d'ail. Toujours mieux que rien. Hein. Allez, zou. Ah, que les choux-fleurs, punaise. Non, c'est quoi que j'ai mangé? C'était pas un chou frisé, hein, c'était un chou-fleur que j'ai mangé. Le chou-fleur, la vache, comment que ça m'a dopé pour le descendre à la mine. Il y a vraiment des trucs à retenir. Ah oui, allez, faut pas que j'oublie, la blonde, elle aime bien les tournesols. Oh, il y en a une que je vais me mettre dans la poche assez facilement. Je fais ça et je retourne dans la carrière, voire dans la mine. Je pourrais presque même faire de la pêche, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de la pêche. À mon grand tort, mais... J'ai pas de tournesol en... Oh, mais si, j'en ai là. Oh la vache, j'en ai 35 de qualité or. J'en vais en offrir une à lait. C'est quoi ça? Ah oui, en automne, la gamme. Je vais aller séduire les deux filles, là. Ah oui, les améthystes, elles aiment bien. On va aller ensuite à la... Quoi? Il fait de la cueillette de lait de brebis. Oui, bien sûr. C'est bon, la salade de chou-fleur râpée. Bah, même du chou-fleur, je suis en train de me dire, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé en vrai, alors que j'adore ça. Enfin, j'adore ça. J'aime beaucoup. Brocoli aussi. Des brocolis me manquent. Oh! Oh! Comment qu'elle en pétard! Ah, c'est toujours moi qui nettoie sous les coussins, c'est ton tour cette semaine. Oula, Emily, pas d'accord. Tu es immature, allez. Je fais le plus gros du travail dans cette maison et tu le sais très bien. Ah, je vais être l'arbitre. Oh, c'est la nouvelle fermière. Le pire, c'est que je viens pour leur donner chacune des cadeaux. Elle a un nom, tu sais. Oh, l'hôte. Oh, la donasse. Elle est jalouse. Elle a une autre blonde face à elle.
Et je parie que tu peux comprendre mon point de vue. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Soupir. Je suis vraiment désolé de t'impliquer dans tout ça. Alais se plaint parce que je lui ai demandé de nettoyer sous les coussins. Mais c'est seulement parce que je les ai déjà nettoyés la semaine dernière. Alors arrête de pleurnicher et nettoyer. Alais, pourquoi ne pas en faire ta tâche ménagère hebdomadaire? Emily accepte de le faire pour cette fois-ci. Bah oui, pourquoi Alais le ferait pas en tâche ménagère hebdomadaire? Soupir de la blonde. Ah, l'autre, elle fait la gueule. Trop drôle. Bon, t'as gagné. Ce sera ma tâche ménagère chaque semaine. Il n'y aura alors aucune raison de se disputer. Eh, merci Samantha. C'était une excellente solution. Alors, au lieu de rouspéter entre vous, les filles. Merde, je suis pas... Ah si, je peux entrer chez elle, apparemment. Tiens. Voilà, elle est heureuse. Oh mon dieu, j'adore ça. Elle a un cadeau, ma grande. Une vraie poupée Barbie. Par contre, j'aime bien sa déco. Sa déco murale en Hawaï, trop bien. Ne te lasses-tu pas de courir toute la journée dans ta ferme? Non. Je vois même pas le temps passer tellement qu'il y a à faire. Je ne supporterai pas de salir mes vêtements comme ça. Oh mon dieu. En revanche, tu dois avoir un bronzage impeccable. Si on veut. Protection UV spéciale boue. Oh, mais je suis intime avec les sœurs, là, ou quoi? C'est fou. Ça marche trop bien. Ce cadeau est fabuleux, merci beaucoup. Alors, il ne pleut jamais dans le désert de Calico. C'est là que vit mon ami Sandy. Ah, le désert de Calico. Le désert de Calico, ça me dit rien du tout. J'aimerais bien aller lui rendre visite aujourd'hui. Et ben un jour tu m'indiqueras la route pour aller au désert de Calico, parce que je vois pas où c'est. C'est de l'autre côté de la mer des songes là. Faudrait qu'elle m'explique. Je voulais faire quoi? Je voulais aller. Ouais, je vais tricher, je vais prendre le. Les wagonnets de transport. Comme je les ai déverrouillés là. Je pourrais même faire mon bûcheron. C'est extraordinaire, t'as l'embarras du choix dans Star Valley. Ah bah c'est le bus pour aller à... au désert de Calico, je présume. Mais faut réparer le bus. On verra ça plus. Elle jouait du pipeau debout. C'est quoi cette scène? Alors ça, pour une surprise, c'en est une. Samantha, pourquoi restes-tu sous la pluie? Bah, je profite du temps qu'il fait, ma grande. Oui, je suppose que tu es du genre à apprécier cette ambiance sombre. Je suis venu ici pour pouvoir être un peu seul. Eh ben, raté. Mais ta compagnie ne me dérange pas. Tu es trempé, viens t'abriter sous cet arbre. C'est pas faux. Bon, j'étais censé casser des cailloux, moi. C'est un sentiment impossible à décrire. Regarde ce rideau de pluie caresser en silence les surfaces du lac. Eh ouais, spectacle de la nature. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh, une mini-harpe. Tu nous réserves bien des surprises, Samantha. Je suis impressionné. Non, elles vont pas monter un groupe. Oh, le Girls Band de Stardew Valley. Oh non! C'est énorme. Eh ben dis donc. Madie, madie, madie.
Un girls band aîné, messieurs, dames. C'est énorme. Ah, c'est rigolo. Il y a AJ ce week-end qui a dégoté la Subaru Impreza et toi, tu dégotes la BRZ. Eh bien. Il y a un peu trop d'arbres. Encore celui proche du chemin, je dis pas, mais... Autant réserver la zone aux cailloux. C'est bizarre ce qu'on entend, les bruit. Bon, ça c'est fait. Allons à la mine. Dans la mine, dans la mine. Il me fallait de l'argent, je crois. Niveau 65, c'est pas mal. Je suis en manque de minerai d'argent, mais je sais même plus pourquoi. Les arroseurs automatiques, peut-être. Faudrait que je vérifie cette théorie. Voilà. Oh, oh, du diamant! Énorme! C'est énorme! Patata, j'en règle, allez mourir! Wouah! C'est le jeu qui me récompense d'être revenu dans la mine après un paquet de jours d'absence. Diamant d'entrée de jeu. Et B. Ah. Papa palapa 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 palapa. Non, ce serait intéressant de faire la suite de la mine, bon, un autre jour, mais carburé au chou-fleur. C'est rentable. C'est rentable, monsieur, dame, moi vous le dis, moi. Wouah, des géodes. Des géodes. En veux-tu un voilà des géodes? Je fais du clair de piano. Ah, ce jeu. Allez, on veut des cailloux. Des cailloux. Bon, les cristaux de glace. Voilà. Je m'attends à rien à côté dans les cristaux de glace. Concassage de cailloux. On va en faire du gravier. C'est pas le bon outil. Attention, ouais, j'ai plus d'énergie. Euh...
Bonsoir, AJ. Oui, bon app pour le dîner. Merci de passer, AJ. Oula, c'est quoi ça? Ah, c'est du jade. Ok. Okidoki. L'arme gelée. Merde! Mais non! Qu'est-ce que je peux avec l'arrosoir d'ailleurs? J'ai pas l'air débile avec l'arrosoir en plein dans la mine. Ouais, je crois que je vais me rentrer parce que j'ai pas mal de cailloux. Alors là où je suis déçu, c'est que... Non, la baston... Quoi? Cette zone est infestée. C'est quoi le délire? Faut pas tâter que tous les ennemis? Sérieux? J'ai encore jamais eu ça, moi. Enfin, je m'en souviens pas. C'est quoi le délire? Ouais, non, là, y'a rien. Vous remarquerez qu'il y a aucune roche. Hein. Oh! Y'a Mama Gélatine. Oh là là. Attends, je vais me doper un peu là parce que ça devient dangereux. Ah bah du coup, la surprise elle mérite de me captiver là. Bon ça va, je suis pas dans le mal. La santé, je suis au taquet. Je pense que la sortie apparaît quand t'as pas... Oh! La sortie apparaît quand t'as pas tâté tout le monde. Alors vais-je retrouver le panier à fruits de Linus ou lequel le froc du maire là? Un chemin est apparu. Ouais bah c'est ça. Et là on revient dans une cavité normale. Il y a de la roche. C'est fou ça. C'est fou. Bon bah... Non mais je vais me barrer, c'est bon. En plus il est 22h. Arrête bus. Je rentre au bercail. Sympa la récolte de matos. Alors, Goyachev, racines d'hiver. Ah oui, c'est vrai que j'étais dans les trucs mouches glacées. J'étais dans les trucs mouches glacées. Ouais, bah je vais faire un petit peu de minerai de fer. Et puis... Là, je récolterai ça au petit matin. Racine d'hiver. Pêche en amidon, ouais. Bon, là, y a rien. J'avais fait les champignons, hein, je crois. Je crois savoir. Ouais, c'est bon. Ouais, bah, elle a pas volé ça à son retour. Oh, de l'avantage des jours de pluie! Faudra que je me recoltine l'arrosage le lendemain. Merde, j'ai zappé l'anniversaire de Pam, tant pis. Bon, bah, je ferai aucun anniversaire. Même le mec ténébreux, je vais pas lui courir après. Donc, le dimanche, il fera. Ouais, bon, bref, je suis condamné à arroser, quoi. Ah, il y a du vin! Du pain, du vin, du bourchin! À moi la tunasse! Ouh, je le garde sur moi peut-être pour l'offrir aux villageois, c'est pas con. Alors, arrosage. Arrosage de rien d'ailleurs. Vous aurez vu que j'ai arrosé une parcelle de terre où il y a que plus. J'ai presque même la flemme de replanter. Qu'est-ce que je fais? Je replante ou pas? Attends, mon coffre printemps, j'ai quoi? J'ai les graines. Ah oui, j'ai les graines d'ail.
Ouais, allez, je vais replanter l'ail. Je vais replanter l'ail. Je vais replanter l'ail. Je vais replanter l'ail. Allez. Arrosons gaiement. Sérieux? Ah. Je me disais, mais c'est bizarre, je peux pas le récolter, je comprenais plus là. Non, comme ça. Ah! Non, je me suis fait peur. J'arrive même à me faire peur en agriculture, c'est extraordinaire. Je viens de me faire tiquer très bêtement. Comment ça, wesh? Comme si j'avais éteint un flambeau. Même le jeu se rit de moi. Scandaleux. Alors, les choux-fleurs. Les choux-fleurs qui vont se faire remplacer par de l'ail. Parce que il n'y a que l'ail qui maille. Elle est nulle. Ça, c'est horrible. On a été lobotomisé par la pub. Nash qui fait du montage vidéo. Je balance, j'ai eu l'info. Non, je balance, mais je rappelle que Nash, vous le retrouvez ce soir sur son canal Kit pour du Zelda. Me ferait une joie de lui faire un coucou. En soirée. Oh, c'est bien, je suis en train de regarder l'heure temps réel et l'heure du jeu. Je vais être bien dans les délais par rapport au tableau mystère. Non mais... Oh. L'inventaire qui est déjà plein. Gentil le beau chien. Non Zeus, tu fais... Oui, j'allais dire là tu fais suer parce qu'il m'empêchait de passer. Ah, le minerai de fer est déjà fondu. Ouais, le reste je vais le vendre. Ouais. Alors, ouais, je te vends le panais, je te vends l'ail. Non, le boudon. Je sais plus qu'est-ce que j'en fais du boudon de pain. Je crois que j'en fais quelque chose. Ah non, peut-être pas, j'en ai 14. Ça servira obligatoirement à quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais... Le vin, je vais essayer de l'offrir surtout aux mecs dans le village. Alors, tac, le vin. Non, c'est pas le moment de manger. Ouais, non. Mauvaise manip. Remplir le rasoir. Ouais. C'est bon pour le... Ouais, ça semble correct. Ah non, les plants de haricots sont pas arrosés. Mon dieu, le son du chien. Imparable. Ah oui, si, j'avais raison. Si, je retourne là. Alors, il est rarissime le champignon violet. Je sais plus c'est quoi ses propriétés. Pourquoi j'ai un chemin de pierre? Ah, c'est la foudre qui a frappé le sol et qui m'a bousillé mon chemin. C'est un scandale. C'est un scandale. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Attends, je vais faire un tour rapide. La sève des arbres. J'ai pas des... Non. Non, il n'y a rien de nouveau là.
Ça ne bouge pas au niveau des ruches non plus. On va aller voir dans le patelin. Ouais, vas-y voir en ville direct. Ah, je vais aller à la plage. Je vais aller récolter des jolis trucs à la plage. Ça fait un petit bout de temps, tiens, que je me suis pas amusé à y aller. Bobillage et crustacé, ding 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 ding. Dobby, dobby, dobby. Ah, il y a le beau gosse. Alors, pain chocobéenne, tu veux du vin? C'est pour moi, merveilleux. Eh oui, mon cher Elliot. On va bientôt avoir les contes merveilleux du prince chocobéenne complètement pimpette. Je serai premier à rire de ces récits comiques. La 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 la. Oh, c'est magnifique. Oh, cette concentration de coraux. Non, inventaire plein. Inventaire plein. C'est un scandale. C'est tellement un scandale que je vais manger le panais. Qui me dope pas mal. Pour me barrer avec deux huîtres. Tiens, je vais... Ah, je vais aller voir... Ah bah non, mais il va me dire que les retraités, je leur ai donné trop de cadeaux, peut-être. Je sais pas. Enfin, je vais essayer de leur donner du vin, ils vont peut-être aimer. Youhou! Tiens, tu veux du vin? Merde, j'ai déjà donné deux cadeaux. Ah, je les ai trop gâtés. Bon, je pense pas qu'ils soient... Lui, il fait sa gym. Bon, tant pis, je vais pas les enquiquiner. Je vais aller voir Pam, dont j'ai loupé l'anniversaire, la pauvre. Et elle est pas là. Et merde. Ah, je voulais lui offrir du vin. Dommage. Inventaire plein. Allez, je vais manger la chanterelle. Allez, blanc, totale énergie. Oh, il y a un train. Oh, Willy. Tiens, tu veux du vin, monsieur le pêcheur? C'est vraiment génial, merci. Et ben voilà, il apprécie. On va aller voir le train-train quotidien. Ah tiens, la mamie. Non, je vais lui offrir le... Ah, je lui ai déjà donné deux cadeaux aussi. Ouais, bon, il y a les filles, excusez-moi. Allons voir le train. Et j'entends siffler le train. Ah, dans la maison communautaire, je peux donner le... Le vin. C'était où le vin dans la maison communautaire? Non, pas l'aquarium. C'était ça, ouais. Hop là. Eh ben, ça s'est fait. Après, je crois pas qu'il y ait des trucs... Ah, peut-être le... Qu'est-ce qui se passe? J'ai un bug. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un bug. Oh mon dieu. Le jeu s'est figé momentanément. Tac, 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 tac. Non, c'est pas... Y a pas les coquillages? Ah non, y a pas. Non, bah je vais aller voir le train. À mon avis, je vais le louper là, parce que vu l'heure, le train est déjà parti. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. Didadidadidadadadidada. Le train-train quotidien. Le train-train quotidien. Non, mais il n'y a plus rien là. Il n'y a plus de wagon. Reviens le train, reviens. Ah. Il y a un poireau. Deux poireaux même. Attends, le truc énigmatique. Maintenant que je lis le... Ah non. Je veux dire, maintenant que je lis la langue naine, mais non, c'est pas ça. Bizarre. Tellement le mystère. Ah, puis il y a le coup du collier.
Je parlais du slip du maire et du panier de fruits de Linus. Mais il y a le coup du collier qui a été perdu près des bains, là. J'ai pas retrouvé non plus, c'était une note secrète. Putain, il y a trop de trucs. C'est la folie, ce jeu. Merde, il est déjà 18h dans le jeu. La journée... Oh! Oui, alors, pause. Trésor de la mer. Non, trésor de la mer, c'est ici. Alors, les huîtres. Corail, oursin, étoile de mer et les palourdes. Ça, c'est rangé. Là-dedans, j'ai les super champignons. Ouais, violets. C'est complètement pété, les champignons violets. C'est... Là aussi, c'est un champignon spécial... De grandes occasions, j'ai envie de dire, en bataille. Les poireaux. Pourquoi j'ai gardé les poireaux sur moi? Ça doit être une erreur de gestion de ma part. Et rien d'autre. Minerai. Ouais, bah le minerai de... Je vais pouvoir en faire des lingots rapidement. Les poireaux, je peux les ranger. Cerise aussi. Ouais, bah les graines d'ail vont là, les piles se rangent à l'intérieur. C'est mon avant-dernière semaine de printemps. Hein. Ouais. Parce qu'il va falloir vite faire du houblon en été et du raisin, mais... histoire de faire des spiritueux à tour de bras et me faire plein... D'ailleurs, me faire plein de fric. Est-ce que je peux pas en faire à nouveau? Résine de chêne pour les tonneaux. Résine de chêne pour les tonneaux. Ah bah j'en ai deux. Il va falloir que je rajoute encore deux tonneaux quelque part. La recette, apprendre la recette, apprendre la recette. Résine, cuivre, fer. Cuivre et fer, merde je me gourre. Ah oui, voilà pourquoi j'étais motivé à chercher du fer dans les tréfonds. C'est pour... Bonsoir Jean-Benoît, j'espère que tu vas bien, excuse-moi. Je suis tellement accroché au jeu que j'ai même pas vu que ça bougeait un petit peu dans le chat, pardon. J'espère que tu vas bien Jean-Benoît. C'est pour ça que j'allais dans les mines, c'était pour avoir du fer et faire des tonneaux de fermentation qui me rapportent un max de fric. Tonneau, je sais plus où les mettre les tonneaux. Les tonneaux de la Thunasse. Notre nouvelle saga de l'été, les tonneaux de la Thunasse. Hashtag Blue Valley. Mieux que les feux de l'amour, je vous le dis moi. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Je vais aller peut-être faire un rap très rapide au niveau de la carrière et des cailloux à casser, mais c'est vraiment bonus, quoi. Goops, il n'y a pas grand chose à faire. Attends, le quartz se raffinait. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas récolté de quartz, moi. J'ai rien d'autre qui se raffine, je crois pas. Hein. Je me souviens plus, je ne sais plus. Yana Chaple, Yashui, Paldo. Oui, donc je sais que j'ai du beau temps demain, donc il faut que j'arrose.
attends, je vais pas dormir tout de suite. Attends, voir que je rentabilise le truc. Ah oui, j'ai les piles à ranger. Pardon. Oui, ça c'est l'été, ça. C'est quoi ça, le radis? C'est en été ou c'est en automne, le radis? Est-ce que je vais avoir des bricoles à ranger à droite à gauche? Ah, je ne sais faire que les mêmes plats, c'est chiant. Oh la vache, salade de radis. Ouais, je vais prendre les radis classiques et... Non, merde. C'est pas ça que je voulais faire. Mais voilà, au moins j'ai l'option salade de radis. Voilà, qui a été déverrouillée. Racines d'hiver. Ah ouais. Carottes des cavernes. Ouais, mais ça fait un peu cher. Ah, du lait. Ah ouais, là, ça vaudrait le coup. La friandise de mineur. Tarte à la citrouille. Oh là là. Plat de la mer. Hamburger de survie. Ah. Oh, avec de l'aubergine. Plus 3 en cueillette. Ah, pratique pour les explorateurs. Ah, qu'est-ce qui serait arrivé si je m'étais dopé avec ça au moment de cueillir les bêtes. Ah. Et de l'intérêt de garder du pain dans son frigo. Parce que ça fait, c'est une combinaison de... Ah, bah merde alors. Bah voilà. Et le pain, je vais le mettre dans le... Dans le frigo, voilà, sirop d'érable. Je pense pas que le vin fasse partie d'une recette. C'est là où elle va me proposer bœuf bourguignon. Ce serait énorme. Oui, c'est bien. Je vais faire ma journée de dimanche dans Stardew Valley et on va être pile à l'heure pour le tableau mystère. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y a tellement de trucs. Pommes et canneberges. Va falloir que je m'améliore dans la cuisson, enfin dans la bouffe. Du sauté avec du chou frisé. Waouh, avec du chou frisé. Julienne de légumes sur un lit de riz. Dopage absolu, ce truc. Pouah, c'est trop puissant. Alors, je profite du temps du délai bonus pour ranger ça. Voilà. La vache, les trucs que j'ai appelés à l'automne. Ah, j'ai mélangé l'automne et l'été. Attends, ça c'est l'automne, ça va pas. L'automne, c'est là. Erreur. Il y a eu erreur de gestion. Les aubergines, je vais les prendre dans le frigo. Alors les canneberges, c'est con. Ah oui, je les ai vendues parce que c'était un défi du maire. J'avais une subvention si j'en vendais à mort. Et ça a été chose faite. Le raisin. Et ben voilà le raisin. Pourquoi je l'ai pas... Là, c'est de la mûre. Qu'est-ce que le raisin fait là? Il devrait être dans mon coffre de fermentation. Ah, j'ai gardé le raisin de... Oh bah ça va, je suis non-stop en... J'ai de la ressource. Ah, oui. Ah, le hamburger de survie. Pour la cueillette. Waouh. Et le truc qui manquait, c'était quoi? Ah oui, du chou frisé. Vas-y voir que je vais chercher mon chou frisé. Bah c'est la saison, c'est le printemps. Il est où le chou frisé ici? Ouais, j'en ai un peu de tous les types. Bah je prends de la qualité supérieure là, exceptionnellement.
D'ailleurs, le reste, je vais le vendre ou je vais le cuisiner. Ah, je vais peut-être le cuisiner, tiens. Attends, faut pas que j'aille dans l'inventaire, sinon je vais le cuisiner accidentellement. Je vais séparer le machin. Jouons ça de manière stratégique. Tac, 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 tac. Voilà. Excellent. Excellent, 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 excellent. Merde. Où est mon truc? Ah oui, je l'ai mis là accidentellement. Hop. Donc là, je te remets du chou frisé. Algues vertes blanches. Les algues tout court. Là, il dit que ça peut être utilisé en cuisine, les algues classiques. Et là, j'ai aussi, je peux les bouffer, mais... Je sais pas. Bon, tant que le frigo est pas blindé, je vais pas... Voilà, le sauter, je vais ranger ça... Alors, c'est pas logique, mais je vais le ranger dans un coffre. Le truc qui va pourrir. J'espère qu'il n'y a pas une notion de péremption dans Stardew Valley. Parce que là, je vais perdre une forte valeur ajoutée, là. On verra. À mes risques et périls. Allez, hop, la journée de dimanche. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? C'était quoi ce son digne de X-Files? Il s'est passé quelque chose. C'est obligé. Un bruit étrange a été entendu pendant la nuit. Oh non! Ne me dis pas que les extraterrestres ont débarqué chez moi. Là je trouve une énorme soucoupe volante ou des crop circles, vous savez, dans les champs. Attention, c'est Pierre. J'ai vraiment très envie d'une assiette de sashimi. Je paierai quiconque qui m'en apportera, signé Pierre. Qu'est-ce que... Des sashimi... Attends, monsieur veut des sashimi, mais je sais pas les faire. Ah si. Poisson quelconque. Bon bah... avec un albacore peut-être. Je sais pas. Je lui fais comment ces sashimi. Avec un concombre de mer. Chiche. Chiche. Sashimi au concombre de mer. Le truc qui empoisonne à donf. Je vais en faire quelque chose de positif. Ah bah c'est beau. Eh ben il va être heureux, monsieur Pierre, là. Aïe, aïe, aïe. Oui, non, mais oui, c'est bien d'effrayer les corbeaux, mais... attendez, la flotte... J'espère que les extraterrestres n'ont pas débarqué. Ils vont me faire un remake de la soupe aux choux, là, vous allez voir. Avec le bruit trop bizarre. Putain, j'appréhende. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Mais il va arrêter avec j'ai effrayé machin. Je veux récolter les... Hein, bon... Les haricots, oh là là là, tout de suite par défaut l'interaction c'est avec l'épouvantail. Gris. Alors. Ah, il y a Ange de Lumière qui fait du Assassin's Creed pour ceux que ça intéresse. Le Odyssey. Ouais, ça c'est arrosé.
Renache. On va pas tarder à faire le tableau mystère pour ceux que ça intéresse. N'oubliez pas, tiens, je réagis parce que je te vois arriver, Nash. N'oubliez pas que demain, vous ne pourrez pas jouer à Minecraft. Hein. Je vais couper le serveur pour relancer la location, faire des trucs techniques dessus. Si je parviens à vous réobtenir demain soir Minecraft, c'est presque un coup de bol. Oui, ouais. Je sais que t'es un grand aficionado, et je te remercie du Minecraft, mais... Bon, il n'y a rien sur le terrain, là. Il y a eu un bruit bizarre de soucoupe volante, je sais pas quoi, là. Non, c'est dans le village qui s'est produit un truc. C'est pas dans ma propriété, ça va. On verra ce qu'il y a eu comme surprise dans la propriété... Dans le village... prochainement. Alors attendez. Oui, Crotum, allez, je vends ça. Haricot. Oui, non, statuette de poulet, là, j'en peux plus. Wouah, 135 d'énergie, il est en or. Bleh. C'est énorme. Ouais, je vais en garder un peu, là. Je vais pas tout revendre. Parce que je veux bien en bouffer, moi, quand je descends à la mine. Attends, le dopage de ma boule. Je vais aller donner les sashimi à Pierre, en attendant. Attends, j'ai l'annonce de Pierre. Apporter les sashimi. Oui. Je lui apporte ses sashimi à monsieur Pierre. Ça arrive. Voilà, ils sont frais de ce matin. Ah, monsieur le militaire. Une bouteille de vin, peut-être. C'est un très beau cadeau, merci. J'étais sûr qu'il allait apprécier. J'étais obligé. Bienvenue chez Pierre, tu m'étonnes. Tiens, il était temps, je commençais à avoir la tremblotte tellement que je voulais ce poisson. Mange, miam, miam. Oh, miam, c'est très bon. Il a dévoré le plat à 11h du matin. Merci Samantha. Salut, tu te souviens de ce que tu m'as vendu l'autre jour, l'ail? Je l'ai servi à la famille au dîner lors d'une occasion spéciale. Je peux pas te dire que c'était un succès. C'est parce que tu ne sais pas le doser et le cuisiner. Mon produit était très bon. Eh bien, les affaires continuent, n'est-ce pas? Mais oui. Soupir, j'ai le blues de rester derrière le comptoir. Ah, alors là... Le blues est derrière le comptoir. Oui, bon app, bon direct, Nash. À tout à l'heure. Oui, pour le Zelda. Papalapapam. Miel ou pas miel? Pas miel. Attends, je vais voir rapidement s'il n'y a pas le vendeur à la caravane. Là. Oh, la miss qui joue à la... Ah si, il y a le mec à la caravane. 1, 2, 3, 4, j'ai encore raté. Qu'est-ce qu'il vend, l'escroc? Engrais de base, poisson des sables, de l'ail. Oh, si je le vendais à ce prix. Grenadier. À 4500. Oh la vache. Oh, tarte à la rhubarbe. Vache. Waouh. Carotte de canne. Oh, une pizza. Ça fait cher de la pizzouille. Plante d'intérieur. Ça fait cher de la... Oh, encore une graine rare. À semer en automne. J'ai envie de tester les graines rares. Je veux bien lui acheter, c'est mystérieux. Oh là, les tarifs qu'il fait. Si seulement je pouvais revendre à ce prix-là, moi. Poisson des sables. Non, c'est le poisson globe qu'il faudrait que j'achète. Faudrait que je lui achète ça. Allez, je retourne dans les... dans l'exploitation agricole parce que j'ai pas fini, moi. J'ai pas fini de bosser.
Ah, les herbes folles me rendent nerveux. Non, c'est pas encore prêt. Merdoum, il faut que je prenne sur moi le... Alors c'est en automne la graine mystère. Putain, vous allez voir que je vais en acheter plein des graines rares. Ça va être n'importe quoi. On se calme et on se concentre. On va replanter de l'ail. L'ail que Pierre n'est pas fichu de cuisiner. Qu'il ne sait pas cuisiner convenablement. Je suis sûr qu'il en a trop mis et tout le monde a refoulé à table. C'est monsieur Pierre Pudubec, la famille Pudubec, à cause de l'ail vendu. Et qu'il a mal dosé en cuisine. Comme ça qu'on va l'appeler. Ça parle mal. Alors, réfléchissons. Artisanat. Les arroseurs. Est-ce que je peux m'en refaire des arroseurs automatiques? Fer, or, fer, or, quartz. Fer, or et quartz. Putain, c'est le début d'après-midi, là. Il faut que je fasse quelque chose. Fer, or et quartz. J'ai beaucoup de quartz. J'ai un peu de fer. Et j'ai un or. Non, faut aller à la mine. Dans la mine, dans la mine. Je vais aller dans la mine. Pourvu que je trouve du fer et de l'or. Twing. C'était quoi les bons niveaux? C'était 65, je crois. Je crois. Oh, l'autre qui me patate d'entrée de jeu. Va mourir. Oh, puis il y a les ectoplasmes avec les fantômes. Fantômes de mes deux, là. Oula, il y a rien du monde ici. Oh, le fantôme va me faire suer. Merci. Oui, j'allais dire meurs là parce que t'allais me... Il était parti pour me les briser, le fantôme. Excusez-moi du peu. Ah, petit minerai d'or, c'est apprécié. Hop, suivant. Ah, intéressant par ici. Merde. Allez mourir, allez mourir, allez. Oh, pff, le retour du parchemin des nains. Non, c'est bon, j'ai eu les 4, alors que je crois qu'il n'y en avait que 3. Le jeu m'a bien eu. D'ailleurs, je suis descendu dans les mines avec l'arrosoir, tout va bien. Mais j'ai jamais vérifié, je peux le récupérer des torches. Ah oui. Oui, c'est cadeau. Le jeu t'offre la torche. J'ai jamais fait gaffe. Oh, c'est du diamant, ça. Oh, merveilleux! Deux diamants précieux! Extraordinaire. Attends, oh là, oui, il y a de la roche, là. J'appréhende de découvrir un truc énorme dans la dans le village parce que le coup du bruit bizarre dans la nuit. Merde, il faut que j'arrête avec mon maillet. Le maillet, faut que je le range.
Je fais tout à l'épée maintenant. Et ça, ça se casse pas? Y a pas un truc à faire? Trop bizarre. Attends, la malheureuse, elle a plus d'énergie. Ah oui, journal des quêtes, il y a quelque chose à faire. L'annonce de Pierre. Oui, 1000! Ah ah oui! Et j'avais oublié qu'il s'engageait à donner beaucoup de pépettes. Eh ben, c'est bête, mais ça paye la graine rare pour l'automne. Ça m'a payé la graine... Ah bah c'est bien, je vais faire du quartz raffiné avec ça. Trop bien. C'est moi... Oui, j'ai dit, je vois pas l'échelle de sortie. Ah. Il y a du quartz à gogo. À moi le quartz. Oula, à moi la baston. Oh, il est chiant le fantôme. Bah, c'est moi. Ah non, c'était les chauves-souris. Je croyais qu'il y avait un mec, une silhouette noire. Oula, il est tellement bien mort que. Il est mort dans le décor, lui. Il m'a rien donné le fantôme. J'ai pas eu son ectoplasme habituel, c'est un scandale. Cailloux, des cailloux, toujours des cailloux. Elle frappait avec la pioche sur des cailloux. Oh là 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 là. Allez, patatage en règle. Merde, 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 merde. Ah merde! Je vais me débarrasser des torches parce que voilà, c'est quelque chose de commun. Et au moins que je récupère ça. Là, il y a quoi? Ah oui! Ah non! Va mourir, toi! Oh non! L'autre, il me donne un lingot. Le jeu qui a de l'humour. Bon, déjà, je m'en moque, je récupère les diamants. 4 diamants. Dis le change. Parchemin des nains, je m'en moque, je les connais, je peux les jeter. Donc là j'ai récolté un lingot d'or, c'est pas rien. Et il y avait une note secrète dont je n'ai eu rien à péter. Et d'ailleurs je vais rentrer vu l'heure. Ah. Arrêt de bus. Alors, rangeons tout ça. Non. Faute. Faute, faute, faute. Oui, je peux... Non, les diamants. C'est un coup accidentellement à mettre les diamants dans le dans la poubelle. Le mec qui fait ça. Wouh. Le gars, il a plus le sens des valeurs. Ouhouhou, ça se raffine pas le diamant, on est d'accord. Par contre, le quartz et l'améthyste, est-ce que je peux le... Attends. C'est un minéral quand ça fond. Ah! Non! L'améthyste, on peut le faire fondre? Attendez. Le jeu m'offre des horizons nouveaux. Eh, 5 minerais. Et si ça se fait fondre? Ça se fait fondre. Oh là, oh là 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 là. Je suis passé à côté de plusieurs trucs là. Ouh là 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 là. Stardew Valley, incroyable ce jeu de fou. Ah, chauve-souris qui m'agresse dans la nuit. Mais ouah, 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 ouah. Quartz raffiné, c'est parti. Ah oui, c'est à l'unité, lui, par contre. Donc, je l'ai laissé là. Non. Je peux raffiner de l'améthyste? Qu'est-ce que ça va donner? Et le diamant, du coup?
Attends, là, il me met le guac. Il me met le guac absolu. Vas-y voir que j'ange les diamants ici. Non, on peut pas obtenir un lingot de diamant. Faut arrêter la déconnade. Mais jusqu'où ce jeu ira-t-il ? Il ira jusqu'au tableau mystère. Oh, est-ce que c'est l'heure ? C'est fou ça. Presse à œufs de slime. Ah oui, ils avaient dit que c'était super dur de récupérer des œufs de slime. Comme j'ai patâté la maman gélatineuse là. Presse à œufs de slime, oh mon dieu. De l'huile d'ail. Ha ha. Je vais pouvoir en faire un tour de bras de l'huile d'ail. C'est pour faire fuir les petits ennemis, je crois. Ce qui veut dire que je pourrais me promener dans les premiers sous-sols de la mine sans me faire emmerder. C'est intéressant pour la rentabilité, vraiment. Eh ben, nous verrons ça au prochain épisode. Au prochain épisode. C'est ça. Bloup, toi-même. Bloup. Oh, j'ai entendu la pluie. Oh, la prochaine semaine va être intéressante à vivre. Joie. Alors, le tableau mystère. Dans l'immédiat, d'ailleurs, je fais la pub à Nash rapidement parce qu'il va pas tarder. Il a peut-être même déjà démarré dans la minute sur Kick. Il propose du Zelda, Nash. Et Ange de Lumière qui était là ce matin. Je sais pas si j'ai encore... Ah merde, j'ai plus son... Merde, j'ai plus le pseudo. Oh, enfin, dites-vous qu'Ange de Lumière, il faisait du... Assassin's Creed Odyssey sur sa PS4. J'arrive pas à tout suivre. Pardon.